اليوم غادي نشوفوا بعض الأسئلة نتاع لا بواط ا ميرفي، أسئلة وأجوبة، دي كيستيون اي دي ريبونس بارابور ا لا بواط ا ميرفي. Alors, je commence. Alors, quel est le genre de ce roman? Est-ce que c'est un roman policier, ou bien un roman à thèse, ou bien un roman autobiographique, ou bien une pièce théâtrale? Alors, bien sûr, puisque c'est la boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Alors, j'entoure. Roman autobiographique. Deuxième question. Ce roman est écrit en 1950? 1951 ou bien 1952? 1950, 1951 ou bien 1952? Alors bien sûr, c'est 1952. Ahmed Sfrioui est né en 1910, 1915 ou bien 1921? Alors Ahmed Sfrioui est né en 1915. Il est décédé en 2007, ça veut dire l'année 2004 ou bien 2005. Alors, il est décédé, il est au fa, elle fait une courba. Le narrateur enfant, A, il est mazal tafli, chaf sin dialo, khamsnin, stsnin ou la sbesnin. Alors, déjà, ou d'akraf le roman, c'est 6 ans. Alors, comment s'appelle le narrateur? Mohamed Sfrioui, Sidi Mohamed, bien Driss Laouad. La question, comment s'appelle le narrateur Smith, le Haki, qui est à Oudna Kessa? Mohamed Sfrioui, ou la Sidi Mohamed, ou la Driss Laouad? Bien sûr, Sidi Mohamed. Alors, par rapport à Sidi Mohamed, s'il vous plaît, il faut écrire Sidi Mohamed, le S en majuscule. Mohamed M en majuscule et Mohamed avec deux M. D'accord? N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Alors, je passe à la deuxième partie. Alors, quel est le problème du narrateur? Je ne sais pas si le narrateur a la migraine, une shqiqa, ou bien la fièvre, srana, ou bien la solitude. Alors, je ne sais pas si c'est le roman, la solitude. Où habite-t-il? C'est dit Mohamed. Dar Qitoun, Dar Chouafa, ou Dar Idrissien. Alors, le roman d'Ima, c'est Dar Chouafa. Alors, bien sûr, Dar Chouafa, c'est la propriétaire de la maison. Elle habite au rez-de-chaussée, Saknef Sfli. Parmi les romans de Sfrioui, Les voyageurs sans bagages, Les misérables, La boîte à merveilles. Alors, je juge, mais je dis Ahmed Sfrioui. Je dis Ahmed Sfrioui, il est en train de faire des choses. La boîte à merveilles. Comment identifier un roman autobiographique? Je ne sais pas si c'est la datia. C'est la datia. Je dois constater dans le roman, bien dans le récit, la première personne, pronom personnel du singulier, je. Ou bien, je peux avoir la première personne du pluriel qui est nous, les deux. Alors, le contexte historique de l'histoire. Le marza ou le fin d'art, l'époque, واش في المسيرة الخضراء فترة المسيرة الخضراء لا مارش فيغ او بيان لانديبوندونس دو بيي في الاستقلال نتاع المغرب او فترة نتاع الاستعمار الوغ بيان سور عندي 1952 الوغ هنا مازالين في الاستعمار نتاع المغرب لا كولونيزاسيون بارتي سويفونت ليفينمون بيرتورباتور شكون اللي بدل المسار نتاع القصة او اللي نقولوا بدل تغيير ديال ليستوار كامله واش لا مالادي دو لونفون او بيان لا فيزيت دو سيدي احمد دو سيدي علي بوغالب او بيان لا روين دو بير الوغ الى قريتو القصه غادي يبان لكم بانه الاب ديالو جمع شي فليسات ومشى يتسوق في السوق باش يشري الحايك التواب ديال الحايك لقيتها اللي كان مشى السوق طاحوا ليه الفلوس اللي جمع ومن بعد صافي فلس مبقاش عنده الفلوس الوغ سا سي لا روين دو بير Nombre de saisons. Où est-ce qu'on a un fossol? D'ailleurs, on a fait le cas. Où est-ce qu'on a un fossol? Tlacha ou Arba. Alors, on dit juste le fossol. On dit l'hiver ou on dit l'été. Le narrateur habite. Qu'est-ce que le narrateur d'Archouafa? Où est-ce le premier étage? Ou le deuxième étage? Ou le rez-de-chaussée?
Alors, premier étage, là. Deuxième étage, eh. Rez-de-chaussée, ça qu'on a fait 15 ans. Le narrateur aime, le haki. Wesh, l'invisible, le néant, ça veut dire l'adam, ou bien le visible. On dit, moi, tu haja, moi, tu chauffages, qui dit, moi, tu là. Alors, c'est l'invisible. Le narrateur avait un penchant pour. Quel est le haki, le jeu, le rêve, ou bien l'amusement. Le jeu, l'amusement, alors, Dima, l'enfant, il est toujours seul. Et il rêve. Alors, le rêve. Le narrateur adulte, Yannick Kibir, considère ce roman comme une cire fraîche, Yannick Shema, un livre complet, Kitab Kamel, ou bien un roman, Kessa. Le roman, il a créé tout. Cire fraîche. Ce roman le considère comme une cire fraîche. Alors voilà, ça c'est pour la première partie. Mais bien, Inch'Allah, nsaftlikoum la deuxième partie, tu as les questions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.